Hey Melufto, comment on se retrouve? C'est Kaisoul, l'ermite des Jinuga, pour un nouvel épisode, c'est le 10e. J'espère qu'on va le faire en beauté, celui-là, 10e épisode de Spyro Reignited Trilogy sur Spyro le Dragon, plus précisément. Le tout premier, la base des bases. Et bordel, il s'en est passé des choses dans l'épisode précédent. Bon déjà, vol de cristal, bon ça va, ça s'est plutôt bien passé, hein. Ensuite j'ai fait le monde des créateurs d'animaux, j'ai tout récupéré. Et après les créateurs de... les créateurs d'animaux, j'ai fait les marées brumeuses, voilà. Qui m'a pourtant un peu cassé les couilles à cause de certains soucis techniques. Voilà. Toujours un peu malade, vous m'excuserez. J'espère que ça ne vous dérange pas. LOL. Bien joué, bouffille. Bah c'est quoi, on va faire le village terrasse. Bah allez, c'est même le début. Allez hop. Sinon, comment allez-vous? Moi, bon, à part cette petite grippe assez assez gênante, ça peut aller, hein. Y a pire dans la vie. Bien, bien, bien. Ça va, niveau musical. Waouh, oui, c'est vrai. C'est les flammes. Ils sont trop gros. Voilà. Ça va. Encore une fois... La musique de l'époque était quand même meilleure. Enfin, meilleure. Je la préférais, personnellement. Ouais, je ne sais pas vous. Chut, pas trop de bruit. On va lui cramer le cul. Boum! Surprise, motherfucker! Oula! Attention, eux. Phew! C'était pas loin du fail. Do not... non, c'est no skydiving. Ah d'accord. Gros, ne pas planer. Yeah! Faut faire vraiment attention parce que... Ils sont traîtres. Avec leur petit laser. Une vie. Ça c'était pour la fois pour l'épisode 9. Oula, oula, oula. C'est cru dans Star Wars lui. Oh non, abusé. L'autre qui était juste à côté comme par hasard, il m'a vu. Ouais, tu me vois à travers un mur toi. Connard. C'est ça. Je sens que je vais les oublier et après je vais rager dès que je verrai qu'il me manque quelques petites gigemmes. Ouais, là il me voit pas, bien sûr. Putain. C'est du n'importe quoi. Je vais quand même regarder un petit peu là-bas. D'accord. Ici, un succès. Un point d'aptitude, même. Ils ont ajouté un point d'aptitude pour celui-là, qui est de ne pas se faire toucher par les sols électriques. Donc, prudence. Ça dégage.
Et là, il me voit pas, n'importe quoi. Bien caché ces putains de coffres. Et là, non, c'est bon. Je vais d'abord aller chercher le petit poulet. Allez, hop. La viande blanche, c'est bon pour la santé. Même si le poisson, c'est meilleur. Oh. Hey, hey. Eh oui. Ouais, fallait juste retourner en arrière au final. Claude! Attention Spiro, les gnorques des environs ont découvert le pouvoir de l'électricité et ça pique fort. Ouais, l'ambiance est électrique, on va dire. Un, deux, d'accord. Ok. Plutôt attention. Ouh là non. Ok, j'étais pas loin du gros fail. Bien débile. Ah, je peux pas le péter cela. Ah, sans qui qui dans ce rhume. Hop, bien discret. Ah, une vie. Bien. Donc dessus on peut pas. Faut en fait des petits feux d'artifice. Alors il faudra que je fonce tout droit. Avec prudence. Voilà. Ici pareil. Je peux pas monter encore. Ok. Alors, le mieux ce sera de le buter lui avant. Voilà. Alors, qui est Cyprine? Bon travail, Spiro. Un jour, tu pourras raconter tes extraordinaires aventures à tous les dragons. Ouais, mais là, j'ai surtout envie de quitter ce marais. Putain, j'ai dit Cyprine. Oh. Enfin, c'est, je pense que ça se dit Cyprin. Mais... parce que ce serait bizarre sinon. Ou Cyprin en anglais, je dirais. Hein. Voilà. Mais plutôt, ça va. Il a plutôt un design pas dégueulasse. Hein. Enfin, le design de son ventre est plutôt intéressant. Pas mal. Petite gravure sur son ventre. C'est pas moche. Oula! Eh hey. Ah là ça le fait plus, oui. Votre jeu il est pas fini, messieurs, dames. Ouh, on se casse vite. Il y a lui aussi. D'accord. J'ai soufflé avant, connard. Pareil, le petit panneau. No skydiving. Aha.
Toi, je vais t'avoir tout à l'heure. Ok, on remonte. Il faut attention à pas se faire toucher. Attention. Bien. Ça va. Déjà, ils ne sont pas tombés en bas. Non, c'est bon. Tant mieux. C'est pas par là tout de suite. Ouais, c'est ça. Rigole, toi. Ok. Il y a encore un dernier. Alors, je vais pas essayer de l'avoir tout de suite. Il y a un petit truc à faire avant. Déjà, faudra aller activer les feux d'artifice. Non, j'aurais pu l'avoir avec ça aussi. Bon, tant pis. Je vais essayer de l'avoir à l'ancienne. Ok, maintenant, ce qu'il faut, c'est foncer et voler. Voilà. Bien, jusque là ça va. Oh, peut-être bordel là. Ok. Le petit feu d'artifice ici. Bon, il était touché. Oups. Alors, on a... Oui, c'est bien 400 ici. Oui, l'autre feu d'artifice, je l'avais pas vu. Encore un autre à avoir. Faut que je passe quelque part. Merde, il est planqué où encore ce feu d'artifice? Bon, déjà il faudrait que je descende ici, ça c'est sûr. Je vois mal là. Pas planqué par là. Tiens. Je vais essayer de passer par. Même si c'est un peu chaud. Ouais, laisse tomber, pas par là. Feu d'artifice pour celui-là. Où est-ce qu'il est caché encore? Ah bah oui, il est là. Lol. Barre de rire. Putain, j'avais même pas vu. En passant par là, j'avais même pas vu. Ah bah bravo mon petit. Bah voilà. Bah non, on va tout récupérer en haut là-bas. Allez, en pas de course. Voilà. Je suis à 360, mais ça c'est normal. Il y a encore à la fin maintenant. Allez, on court, on court, on court. Voilà. D'accord. Interrompu en plein vol. Alors celle-là, les collectors. Hein.
Ouais, mais on dégage deux là. Merci. Et. Je ne l'ai pas eu ? Je n'ai pas eu ? Attends. Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup, hein, tu m'as fait peur. Voilà, faut pas se faire toucher par les sols électrifiés, tout simplement. Ouh, ça fait un sacré paquet de petites gemmes. Bon, j'ai le temps de continuer un dernier niveau pour cet épisode. Quelque chose, c'est bien ce qui me reste. Il y a encore un truc hein, en cime des arbres, non ? Pas un grand arbre. Je pense que non, il faudra que je fasse ces grands arbres. Je regarde vite fait le point de compétence. Ah oui, il faudra que j'aille brûler la tuyprose cachée. Tous les taureaux coincés. Ah oui, il faut que je refasse. Faut que je refasse tous ces points-là. Oui, comme c'est une nouvelle sauvegarde, j'avais pas fait les points d'aptitude pour revenir là où j'en étais. C'est pas grave. Ça, je pourrais le refaire. Hors caméra. Normalement, il reste plus que lui. Si je dis pas de conneries. Avant le boss, c'est le niveau de vol. Voilà. Metalhead, Metalhead. Pour rester dans un accent plus ou moins correct. Les grands arbres est assez long et assez technique. Mais allez, on va le faire. Je vais vraiment me réserver pour plus tard. Mais... Au final, j'avance assez vite. Ah, ces connards, ils nous l'ont bien spoilé d'ailleurs. Grands arbres, ou signe des arbres, comme vous voulez. Ils nous ont sorti tout de suite une vidéo, ils jouaient, hein. Le jeu était pas encore sorti, hein. Bande d'enculés, hein. Merci beaucoup de bien nous faire baver et nous spoiler comme des chiens. Oh. Donc ils nous ont tout montré, quasiment. Hein. Et... Oh, attention, lanceur de banane. Attention, le gros orang-outan. Non ! C'est l'une des meilleures musiques du jeu ! L'une des meilleures musiques du jeu ! Putain, elle bouge beaucoup plus ! Encore une fois, ils ont le rythme, ils ont les notes, mais pas la foi. Pas l'esprit, le truc qui va avec. Oula. Hop là. J'adore les bananes. En vrai, mais... Dans Spyro, ça fait mal, les bananes. Et bonne grosse banane. Pardon. C'est complètement déplacé, ce que je viens de dire. Enfin non, c'est vous qui avez l'esprit mal placé. J'ai rien dit du tout. Voilà, la clé avant. Attention. Voilà, on se débarrasse un petit peu de ça, là. Ouais, il faudra faire plusieurs... Pardon. Il faudra retourner plusieurs fois ici. Dans d'autres endroits aussi, c'est pour ça que c'est... C'est un niveau assez technique et qui cache beaucoup de secrets. Lyle. Salutations.
passion, Spyro. Pour faire le tour de la cime des arbres, ne te contente pas d'une seule supercharge. Ah! Ouais. Ces cornes sont vraiment bizarres. Ça fait penser à une chose malsaine et en double. Voilà, je ne dirai pas plus. Ah, ouais, je garde un petit peu l'original quand même pour la musique. Parce que... c'est la nostalgie, puis voilà, merde. Bim, dans la tête. Oula, attention. Il voulait me dégainer sa banane. Putain. Alors, c'est malsain. Peu importe comment je le dis, c'est malsain la façon dont je le dis. Dégainer sa banane. Oh putain. Alors, j'en connais qui seront morts de rire hein, quand, en m'entendant dire ces trucs là. Bien. Alors, il y a un passage là-bas. Je peux pas le prendre pour... Oh non, putain, j'ai oublié de sauter. Ah, ça va m'apprendre à regarder... pas regarder mon chemin. Mais c'est pas grave. Bon, allez. Toujours à contre-cœur. Oh, oh, oh. Oh j'aurais peut-être dû faire le truc en question. Bon, pas grave. Tant pis, ce sera pour une prochaine. Oui. Mais bon, je l'ai eu. Oui, il faut y penser hein, sur le chemin. Ils sont gentils en vie ici quand même. Après, faudra passer par là et ensuite faire un retour en arrière. Bon. Le petit voleur qui est par là, évidemment. Oh là là. Bien. Donc comme on peut le voir, il y a 500 joyaux. Et trois dragons. D'ailleurs, Lyle, ça fait un peu penser à Kyle. C'est marrant. Celui-ci, voilà. Alors, on va pas tenter ça maintenant. Revenir au début ici. Alors, je suis déjà passé par là. De toute façon, je vais faire le truc en question. Et après, faudra que j'y retourne. Bon. Là, double supercharge. Voilà. Isaac! Spyro, si tu sautes au bout de la rampe de supercharge, tu peux aller vraiment loin! Je vais tester ça! Ouais. Lui, il a la tête d'un personnage. Enfin, un personnage, ouais. Ou à peu près d'un personnage dans Dragon Ball. Bizarre. Non, on va passer discrètement ici. Voilà. On les a eus. Voilà, j'ai la clé. Youpi.
Et encore notre passage normalement à faire. Puisque c'est pas forcément par ici. Mais enfoiré! Ah ouais! Attends, tu vas voir. Allez, le petit poulet. Let's go après. Tiens, prends ça! Bordel. Faut que je me tente ici. Oh non! Non! T'es sérieux? Oh, ce vol! Oh, c'est abusé! Comment je fais alors? Faut que je saute bien à l'avance? Oh non, c'est de l'exigence! J'ai horreur de ça! Putain, faut que je recommence! T'es sérieux? Bordel! Du coup, voilà. Toujours plus haut. J'ai pas fait le... Je l'ai pas fait parfaitement. Tu te fous de ma gueule, non? Bon, d'accord. Alors que je me souvienne bien celui-là, parce que c'est encore flou dans ma tête, ce passage en question. Allez, let's go. Oh, mais t'abuses! Vraiment? Oh, bordel, non. Bah non, pas comme ça. Eh, bah non. Évidemment. Oui, il faut bien faire l'autre passage en question, putain. Bon, je tente toujours, mais non. On peut pas sauter assez haut pour faire ça. Voilà. Oui, merci beaucoup. Putain. Je vais t'avoir, t'inquiète pas. Alors, qui est-ce, Jed? C'était un sacré saut, Spiro. T'as beaucoup appris depuis tes débuts de planeur. Oui, mais t'aurais pu trouver un endroit plus facile d'accès pour te faire piéger. T'aurais dû trouver un meilleur design aussi, parce que t'es putain de moche! Mon dieu, mes yeux ont saigné! Bon, ça se voit pas à la caméra, mais voilà. Vous voyez le truc. Voilà, merci pour la gemme, espèce d'enfoiré. Bien plus qu'un dernier, dernier passage. Allez hop, on s'envole. Ouais, comme ça, carrément. M'en fiche. Allez hop. Donc, à ce passage-là. Où il faut prendre un putain... Un putain d'élan. Deux, trois petits accélos. Et voilà. Allez hop, on y va. C'est parti. Hop. Allez, let's go. 3, 2, 1, go. Ah oui, il y a lui. Je l'ai eu au passage, c'est bon. Et
Merde. Ce fut une merdouille. Bon, tant pis. Non, il me semble pas que c'est par là. Attendez. Non, mais... Ah si, mais voilà. C'est... On va la refaire. C'est pas par là qu'on passe. Hein. C'est par là. Voilà. Oula, non, 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 qu'est-ce que je fais? Tant pis. On recommence, youhou! Oh putain, mais c'est pas vrai! Oh, c'est... Je vais vous étrangler, Toy Samba! Je vais vous étrangler! C'est quoi cette inertie? Bon! L'intérieur, c'est de la merde, je prends depuis l'extérieur, c'est ça? Voilà. Mais qu'est-ce que... Ah! Bah, j'ai perdu de vue. Putain, mais... Oh, c'est pareil! Rendez-moi l'original. Putain de merde, hein, un moment. Voilà. Ah, mon dieu. Fallait bien, un moment, hein. Fallait bien. Allez, hop, on nettoie, on nettoie. Super. Et voilà. Grands arbres. Terminé. Phew. Quand je vous dis que c'est un niveau assez technique, hein. C'est un niveau qui se base sur le par cœur, un peu. C'est beaucoup sur l'exploration. Et aussi beaucoup de technique, hein. Parce que là, niveau supercharge, vous allez en bouffer, hein. Si vous ne maîtrisez pas les supercharges, vous êtes niqué. Mais quelque chose de bien, hein. Et ben voilà, c'est tout pour cet épisode. Va y avoir des hélices parce que, niveau conneries, il y en a. Hein. Enfin. Bah merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. Ce fut un plaisir. Bah on se retrouvera pour un 11e épisode ou du Spyro 2. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes confrères. Mon duo Spyro 2 avec Zozo et Spyro 3 de Zozo. Et d'ici là, que la foudre du Geo grâce à toi et vos accompagnements. D'ici, ciao, peace and love, see you next time. Yeah. Pouf.